président du club de football de Naples a annoncé lors d'une interview de ne plus vouloir recruter des joueurs africains tant qu'ils participaient à la CAN. Alors, monsieur, j'aimerais savoir, est-ce que cette nouvelle politique explique le départ de Koulibaly et que vont décider les autres joueurs africains du club? Alors Némir, pardon, il y a eu une petite confusion, j'ai cru qu'on allait aborder une autre question, on y reviendra, là c'est la question foot, et pour vous répondre, eh bien, nous sommes avec Antoine Grenier du service des sports de RFI. Antoine, bonjour. Bonjour Igor, bonjour à tous. Alors le sujet fait débat, qu'est-ce qu'on peut répondre donc à Némir? C'est un sujet qui fait débat depuis très longtemps. Pour répondre à sa première question, est-ce que c'est ce qui explique le départ de Koulibaly? Non. C'était parti avant. C'était le transfert était déjà acté et le joueur était déjà en Angleterre au moment où Aurelio De Laurentiis a prononcé donc ses propos concernant la Coupe d'Afrique des Nations et les joueurs. Le président de Naples veut tout simplement plus que les joueurs qui sont dans son club ne participent à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce qui est de Koulibaly, il était annoncé sur le départ depuis très longtemps déjà. Il est depuis 8 ans à Naples, il voulait autre chose. À 31 ans, il voulait un autre challenge. Il était annoncé partant déjà sur plusieurs mercato en amont. Donc, ce n'est pas du tout la déclaration de De Laurentiis qui l'a fait partir. Par contre, il a réagi en disant qu'il trouvait les propos un peu litigieux. Oui, il l'a recadré en disant que beaucoup de monde à Naples ne pensait pas comme le président. D'ailleurs, on le sait, Naples a recruté des joueurs africains, notamment Zambo Anguissa, Victor Osimhen, évidemment. Pour 80 millions d'euros quand même. Donc c'était un très gros investissement sur le Nigérian. Après les propos de De Laurentiis, est-ce qu'on peut parler réellement d'une politique sportive napolitaine dirigée contre les Africains? Alors Naples a déjà fait parler de lui de ce point de vue-là avec Spalletti, l'entraîneur qui en janvier 2022 parlait de la CAN comme d'un monstre invisible qui pique des joueurs dans le vestiaire. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des critiques sur la Coupe d'Afrique des Nations qui viennent de ce club-là. Mais ça, du côté de De Laurentiis, ça ressemble plus à une déclaration un peu à l'emporte-pièce d'un président qui adore faire parler de lui. Très clairement, il aime qu'on s'intéresse à ce qu'il dit. Et c'est pas vraiment une politique sportive. D'ailleurs, Naples avait un temps envisagé d'engager Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain, lors de ce mercato. Et Abdou Diallo, il est champion d'Afrique avec le Sénégal. Donc, Naples ne ferme pas la porte aux joueurs africains. Après, que vont décider les autres joueurs du club, c'est difficile à savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de leur part jusqu'ici. En même temps, le sujet est un peu délicat. Les joueurs, c'est des employés des clubs. Évidemment. Ils sont payés par ces clubs, ils doivent avoir des résultats avec ces clubs, mais ils ont le droit, même l'obligation de répondre aux convocations de leurs sélectionneurs quand ils sont appelés en équipe nationale, s'ils ne sont pas blessés. Donc la marge de manœuvre, elle est très réduite pour eux. Les clubs doivent libérer les joueurs lors des fenêtres internationales. Ce sont les textes de la FIFA, donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Donc que ce soit le Camerounais Franck Zambo Anguissa, l'Algérien Adamounas ou le Nigérian Victor Osimhen, s'ils sont convoqués par leurs sélectionneurs, notamment lors de la CAN en 2024, ils devront aller en sélection. La marge de manœuvre, donc, elle est plutôt réduite. Et Kalidou Koulibaly, d'ailleurs, a confié lui-même que pendant ses 8 saisons à Naples, personne ne lui a jamais demandé de ne pas aller en Coupe d'Afrique des Nations. Et encore heureux parce qu'il l'a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça aurait été dommage. Avec le Sénégal. Ça aurait été dommage qu'il n'y aille pas au Cameroun en début d'année. Némir, vous avez d'autres questions à poser? Oui, effectivement. C'est la première fois qu'un président d'un grand club européen s'exprime aussi clairement sur le problème du calendrier de la CAN. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a un risque que d'autres clubs emboîtent le pas de Laurentiis? Eh bien, écoutez, Antoine Grenier vous répond tout de suite. Est-ce qu'il y a un risque? A priori, non. Faut le rappeler. C'est quelque chose que beaucoup de gens pensent tout bas, mais ne l'expriment pas clairement. Pas toujours tout bas. Même en Ligue 1, il y a régulièrement, au moment de la Coupe d'Afrique des Nations, des entraîneurs qui se plaignent que leurs joueurs s'en vont. Par exemple, le FC Metz, qui est très lié à Génération Foot et qui fait venir beaucoup de joueurs sénégalais, effectivement, les entraîneurs se plaignent régulièrement. Après, bon, faut rappeler qu'évidemment, Naples, c'est un club qui fait partie de l'ICI, l'association des clubs européens, des gros clubs. Donc c'est une voix qui porte, mais on ne voit pas pourquoi d'autres clubs emboîteraient le pas de De Laurentiis. Encore une fois, c'est plus une déclaration à l'emporte-pièce qu'une véritable politique sportive. Et puis quand on voit que des membres, des éminents de cette ICA investissent, le Bayern qui a investi 40 millions sur Sadio Mané pour cette saison, que Chelsea s'offre Kalidou Koulibaly et s'intéresse à Pierre-Emerick Aubameyang, ou encore que le Barça recrute Franck Kessié, le milieu de terrain ivoirien, je pense que les
A priori, les joueurs africains n'ont pas trop à s'en faire, mais c'est vrai que la question que pose De Laurentiis sur le calendrier, elle est intéressante. Elle est en creux, mais elle est intéressante parce que la CAN a toujours suscité des réactions, on l'a dit. L'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, avait tenté une réforme en faisant jouer la CAN en juin-juillet. Ça avait été le cas en Égypte en 2019, mais ça se heurte très vite à certaines limites qui sont des limites climatiques. On ne peut pas jouer partout en Afrique en juin-juillet. C'est juste pas possible. D'ailleurs, la Cannes en Côte d'Ivoire en 2023, elle a été décalée autant à cause de la Coupe du Monde au Qatar qui est trop proche, donc il fallait décaler cette Cannes, mais c'est aussi à cause des pluies torrentielles qui touchent la Côte d'Ivoire à cette période de l'année. On peut citer d'ailleurs à cet égard la réaction de FIF Pro Afrique, le syndicat des joueurs, qui a dit sur Twitter: plutôt que de s'attaquer aux joueurs africains, pourquoi ne pas s'adresser et critiquer directement ceux qui bâtissent le calendrier, évidemment, sans tenir compte des premiers acteurs qui sont les joueurs.